What? Des frères? Tu sais, personne ne croira que c'est ce même. Bénédicte, villageois tout mince qui est parti il y a 10 ans. Ah, oh, c'est bon, arrête avec tes flatteries. Arrête tes flatteries. Tu t'entends? Arrête tes flatteries. Et alors? Qu'est-ce que c'est que ce français? Hein? Je me demande même si tu comprends encore la langue. Peux-tu la parler aussi bien qu'avant? T'es sérieux? Tu me poses cette question? Bien sûr que je peux la parler très bien. Tu veux que les miens me renient? Ah ah! Dis-moi donc, quelles sont les langues que tu peux encore bien parler? Non mais tu te fous de moi? Je parle très bien le Igbo et je parle même le français de rue. Tu veux que je te parle Igbo? Alors je vais te parler Igbo. Non, c'est bon, c'est bon. L'Amérique ne t'a pas tout pris. Ah, je t'assure, c'est génial d'être chez toi. Ouais, mon frère, c'est cool de te revoir. Ouais, merci, je suis content que tu sois là. C'était Chioma, ça, non? Bénédicte? Oui, c'est moi, Bénédicte. Ah, c'est toi? Bénédicte? Toi? Oui, moi. Mais tu es revenu quand? Je viens à peine de rentrer, c'est fou. Regarde-toi. Tu n'as informé personne de ton arrivée. Et c'était comment ton voyage? Doucement, doucement, pose une question à la fin. Mon voyage s'est bien passé et oui, j'ai informé personne parce que je voulais faire une surprise. C'est réussi, je suis très surprise. Ouais, je vois ça. Tellement surprise. Regarde-toi. Oh, je suis vraiment désolée et je dois m'en aller. Mais, on se revoit on bientôt. On va se revoir, tu es là, hein, n'est-ce pas? On verra. Oui, je suis là, c'est sûr. On verra, sois le bienvenu. Regarde-toi, t'as l'air en forme. Merci. Sois le bienvenu. À bientôt. Sois le bienvenu, hein? Tu as compris? Oh mon Dieu. Ah! Oh, wow. Kyoma! Aike, elle a bien grandi. Ah, je ne dis pas le contraire. Mais je te préviens, ce n'est plus du tout la même Chioma que tu intimidais quand t'étais petit. Qu'est-ce que t'insinues là, Ike? T'es en train de me traiter de tyran? Écoute, Chioma est passée à autre chose. C'est ce que j'essaie de te dire. La fille que tu as abandonnée pendant 10 ans a refait sa vie. C'est tout ce que je te dis. Écoute, je n'ai pas la tête à ça maintenant. Allons chez moi. Bien sûr que c'est là-bas que je t'emmène. Mais je te préviens, tiens-toi prêt, ok? Il y aura beaucoup de cris. Et aussi, ce t-shirt blanc que tu portes, il ne sera plus le même, crois-moi. J'imagine. Mais je suis prêt pour ça, donc je suis toujours prêt. Notre cher pays. Notre quartier a vraiment changé. Rien n'a changé. Ah si. Tu ne vois pas, ça regarde l'état de cette route. Cette route n'était pas bitumée comme ça quand je suis parti. Elle a été bitumée près de 10 fois. Quoi? C'est bien ce que je te dis. Ils n'arrêtent pas de la bitumer encore et encore. Ah, 10 fois! Non mais c'est incroyable! Je vais aller voir. Eh monsieur, il y a une superbe voiture à l'entrée. Une voiture propre? Ouvre le portail. Laisse-les entrer.
Bénédicte. C'est bien toi, Bénédicte ? C'est bien moi, mon frère. Tu es revenu quand ? Ouais, je suis venu il y a quelques heures. Je voulais vous faire une surprise. Et c'est réussi, tu m'as vraiment surpris. Regarde-le, c'est Bénédicte, mon frère. Waouh ! C'est ma femme. Sois le bienvenu. Ah, bah, merci beaucoup, ravi de te rencontrer. Tu aurais dû nous informer de ton arrivée. Mon petit frère adoré. Je suis content d'être rencontré. Le plaisir est partagé. Allez, viens avec moi. Mon frère, prends bien soin de toi. Non. Ah oui, tu avais raison, c'est vrai. Jeune homme, comment vas-tu? Je vais bien. Tu connais Ike, c'est ça? Oui, je le vois dans le quartier. D'accord. Comment ça va? Je vais bien. Allons à l'intérieur. Allez, on rentre. Merci beaucoup. Et tu peux sortir les affaires, s'il te plaît? Oui, compris. Merci. Waouh. Sois le bienvenu. Ah, je suis ravi d'être là. Merci. Grand frère, pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ici n'est pas très clair? Je ne comprends pas ce que tu dis. Eh ben, tu sais ce qu'on dit. Le cœur de l'homme sera toujours là où se trouve son trésor. Mon frère, sans vouloir t'offenser, ce que tu dis n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu racontes? Je reviens à peine du terrain, qui est tout près de la maison du chef Okomado. Dis-moi ce que tu es allé faire là-bas. T'es pas censé être en train de me construire une maison. Si mes comptes sont bons, je t'ai envoyé 150 000 dollars. C'est plus que suffisant pour me construire une maison. Comme on avait convenu. J'ai été sur ce terrain. Et je n'ai vu aucun bâtiment sur cette terre. Pourquoi? Donc, puisque sur cette terre, tu n'y vois aucun bâtiment et tu te dis que d'office, le bâtiment n'existe pas. N'est-ce pas? Oh, attends. Tu m'as construit la maison sur un autre terrain? Bénédicte. Allez, emmène-moi là-bas, je suis curieux. Tu viens de rentrer. Ce que tu dois faire, c'est d'abord te calmer. Détends-toi. Cherche d'abord à comprendre ton environnement, avant de poser des questions inutiles. D'accord? Que je comprenne mon environnement? C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Comprends ton environnement. Je t'en prie. Mon frère Francis! Mon frère, depuis maintenant 3 jours, tu m'évites! Sors, je sais que t'es là! Descends! Tu m'as dit que t'as construit la maison à côté de celle du chef Okomado. Je suis allé là-bas, y a rien! Et depuis maintenant 3 jours, tu m'évites! Allez, viens me montrer! Madame, vous êtes là, venez! Il est où, mon frère? Regarde un peu comment tu es en train d'insulter ton grand frère à cause de tes misérables 150 000 dollars! Tu devrais avoir honte de toi. Eh ouais. On dirait que t'es aussi impliqué dans cette magouille, toi. Mon frère et toi avez conspiré pour dilapider mon argent. Et tu te tiens là pour me dire que je devrais avoir honte? Je te jette pas la pierre, mais toi t'as osé me manquer de respect, toi. C'est toi qui as commencé. On dit que le respect est réciproque. Donc tu me respectes et je te rends l'appareil. Chinekemo. Ça veut dire Dieu. Et qu'est-ce qui concerne Dieu ici? Pourquoi est-ce que tu appelles son nom? Dis-le-moi. Je suis venu parler à mon frère, et je partirai pas d'ici sans l'avoir vu. Ok. Allez, dis-lui de descendre. Moi, je suis là, et lui, il est là. Alors dis-lui de s'adresser à moi. Eh ben, il n'est pas à la maison. Ah, il est pas à la maison? Eh ouais. Eh ben, très bien, je vais l'attendre. Je reste et je vais l'attendre. Il dit avoir bâti la maison ailleurs. J'ai interrogé les gens, et ils m'ont dit qu'il n'a rien fait du tout. Tu devrais avoir honte de toi-même. S'il le faut, je suis prêt à mourir ici. Je l'attends là. Je suis là. Et quand je suis à l'étranger, tu sais comment je gagne mon argent? Tu connais les risques que je prends? Tu connais la souffrance que j'endure pour gagner un dollar? Tu as le culot de me dire d'avoir honte de moi-même? C'est pas de ta faute vu que t'es nourri et logé. Quelle foutaise! J'ai fait le tour, j'ai tout vu! À mon arrivée, il me dit comme quoi je devrais comprendre un environnement,
Voilà ce que mon frère trouve à me dire, de comprendre l'environnement. Je mourrai ici s'il le faut. Tu me connais mal. Rends-moi mon argent. S'il te plaît, Ben. Mon frère, écoute-moi. Allons-nous-en. D'accord? Ne fais pas ça. Calme-toi et partons d'ici. Est-ce que tu sais que durant tout ce temps, j'envoyais de l'argent à cet homme-là qui prétend être mon frère, pour qu'il me bâtisse ma maison? Pourtant, il n'a même pas érigé une simple clôture. Tu sais ce que ça veut dire? Et il a le culot de m'appeler son frère. Cet homme m'a juste extorqué. Il devrait être un exemple. J'ai bien compris, Ben. Mais il faut que tu te calmes. Comment peux-tu me demander de me calmer? Comment veux-tu que je me calme? Tu sais à quel point je travaille. Je travaille sans repos, et quel que soit le climat, que ce soit en été ou en hiver. Tout ça pour l'argent que j'envoie à cet homme. Qu'il a osé détourner et je devrais me calmer? C'est un traître! Oh, hé! Hey, regarde-le, il était bien là! Il était là durant tout ce temps! Ne t'ai-je pas prévenu? Ne t'ai-je pas déjà demandé d'arrêter tout ton vacarme? Juste pour l'argent? Quoi? T'es sérieux? S'il vous plaît, gardez votre calme et rentrez. Non. C'est à ton ami qu'il faut le dire. Il doit faire attention à ce qu'il dit. Il fait quoi, là? Cet argent qu'il a envoyé me revient de droit. Il ne doit pas l'oublier. Tout ça pour combien? 150 000 $. C'est seulement à cause de 150 000 $ qu'il est en train de faire tout ce boucan? C'est incroyable. En réalité, c'est moi qui devais aller travailler aux États-Unis. Mais je lui ai laissé ma place. Et dis-toi bien qu'en 10 ans, 10 longues années, il n'a envoyé que 150 000 $ et il ose se mettre devant moi et faire ce tapage? Tu vas me le payer. Calme, Ben, Ben, ça suffit. Tu n'es qu'un escroc. Ben, ce n'est pas la peine. Mon chéri, je t'en prie, allons à l'intérieur. Enfoiré. Non. C'est à lui de quitter mon domicile. Je n'irai nulle part. J'en ai par-dessus la tête de ces bêtises. Tu veux que je quitte mon domicile? Oui. Ouais. Tu me demandes de partir. Et parce de que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à communiquer comme un humain. Si tu veux parler comme un humain, alors tu dois faire quelque chose. Ouvre le Comment portail. Tu peux permettre qu'il me parle comme Allez, ça? Allez, dépêche-toi. Tu me chasses de chez toi. Calme-toi. Tu vas souffrir. Ben, calme-toi. Qui va souffrir? Qui va souffrir plus que toi? Moi? Ben, ça suffit maintenant. Tu vas payer pour ça. Tu vas payer. Retour à l'envoyeur. Regarde-toi. Idiot. Ouais. Le malheur est déjà avec toi. Tu as perdu la tête. Écoute ce que je te dis. Malheur à toi. Regarde-moi ici. Mon frère, c'est bon. Je peux pas Calme-toi. Accepter ça. Laisse-moi tranquille. Écoute ce qu'il me dit. Je te comprends. Bon, allez, viens, on rentre à la maison. Non. Il faut qu'il s'en aille. Ezekiel, ouvre le portail. Dépêche-toi. D'accord, madame. Ike! Ike! Ça. Merci. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire. Tu n'es pas le méchant dans cette affaire. Si seulement mon frère pouvait être du même avis que toi. Je suis vraiment remonté contre moi-même. Comment j'ai pu être aussi con? Bénédicte, tu ne pouvais pas savoir. Tu étais en Amérique. Celui qui a dit qu'il n'y a rien de plus important que la famille, c'est vraiment un gros menteur. Ce sont des vrais racailles. Les pires qu'ils soient. Hé, mon frère, écoute-moi. Calme-toi. Tu dois te calmer. D'accord? Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ?
Bénédicte, tout ce qu'il te reste à faire maintenant, c'est de te détendre. D'accord? Détends-toi. On réfléchira à ce qu'il faut faire demain matin. Ouais. Merci pour ton soutien. Tu sais que je serai toujours là. Maintenant que tu es là, est-ce que ça te dit de manger quelque chose avant d'affronter la dure journée de demain? Je m'excuse de t'avoir fait attendre aussi longtemps. Non, non, ce n'est rien. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça va. Bien. Ben, j'ai appris ce qui s'est passé entre ton frère et toi. Je suis vraiment navrée. C'est la vie. On ne peut plus se fier à personne. Même pas un membre de sa famille. Je sais. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je repars. Je dois repartir aux États-Unis. Je vais juste faire quelques petits trucs que j'avais prévus, et puis je vais m'en aller. Oui, je comprends. Oui, mais s'il te plaît, ne te laisse pas décourager par tout ça. Je sais que tu t'en remettras rapidement. Espérons. Bon, assez parlé de moi. Allez, parle-moi de toi un peu. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis toujours là. On dit souvent que ceux qui ont voyagé l'ont fait pour ceux qui sont restés. Et ceux qui sont restés l'ont fait pour ceux qui ont voyagé. C'est une belle façon de dire les choses. Moi, je trouve que t'as toujours eu cette intelligence. Ça m'étonne pas qu'avec le temps, tu sois devenu plus sage. Mmh. C'est maintenant officiel. Tu es très doué quand il s'agit de flatter les gens avec tes belles phrases dont tu as le secret, n'est-ce pas, chérie? Ah bon? Oui. Bref, juste pour dire que je suis très heureuse que tu sois là. Merci. Je t'en prie. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau maintenant? Je travaillais dans une agence de communication. Mmh. J'y ai travaillé pendant 3 ans, avant que cette crise économique ne vienne tout chambouler et ne les oblige à licencier certains d'entre nous. Mais j'espère trouver un nouveau job. Mmh. Je compatis. Je suis vraiment désolé. Pas grave. Et je sais pas, mais est-ce que t'as essayé de mettre en place ta propre structure? Je veux dire, être à ton compte? Tu lis dans mes pensées ou quoi? Ah. Parce qu'en réalité, je travaille à fond sur un projet dans le genre. Donc... Cool, c'est cool. Ouais. J'y pense. Donc, tu comptes repartir quand exactement? Aux États-Unis? Disons la fin du mois. Mmh. Ok. Et je suppose que tu vas rester ici pendant tout ce temps? Je vais rester ici jusqu'à demain, ensuite je vais m'installer dans un hôtel. Un hôtel? C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Enfin, cette maison est confortable. Pourquoi faire des dépenses inutiles alors que tu as un ami qui peut t'héberger ici? Ou alors, il t'a demandé de partir? Non, il a rien demandé. Donc, reste ici. Oui, reste ici. Et prends cet argent pour faire quelque chose d'agréable. Quelque chose d'agréable? Voyons, laisse-moi réfléchir. Visiter le pays? Le tourisme? Voilà quoi. J'avais pas tort quand je disais que tu es devenu plus sage. Puisque tu viens de me donner une belle idée. Et c'est qui mon guide? Eh bien, puisque c'est gratuit, ce sera moi.
Ah bah alors si c'est gratuit. Je dois avouer que Shioma s'y connaît vraiment. Moi, je te le fais pas dire. Ça, c'est sûr. Tu sais, ça fait très longtemps que je n'avais pas mangé de cuisine traditionnelle nigériane. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez qu'à vous marier. D'accord ? Je te suis pas. Tu crois que je suis de ceux qui se jettent dans le mariage juste à cause de la cuisine ? Tout ça, c'est pour m'impressionner, n'est-ce pas ? Non, je dis la vérité. Si tu te maries avec une femme parce qu'elle sait faire la cuisine, tu fais quoi de ses autres qualités ? D'accord, je reconnais que tu n'as pas tort là-dessus. Ok. Shioma et toi, vous êtes quoi au juste ? On est amis. Amis ? Ouais. En tout cas, ce n'est pas l'impression que j'ai. Attends, donc deux personnes ne peuvent plus passer du temps ensemble ? Non, pas simplement deux personnes, Bénédicte, ce n'est pas que ça. Un homme et une femme... D'accord. ...qui vont partout ensemble... ...et qui se comportent comme un couple. Mon pote, c'est louche, votre histoire. Moi, je m'en fous de la vie des autres personnes. Shioma et moi, on est juste amis. Très bien, alors. Pas de soucis. Ah ouais. Mais j'espère vraiment qu'elle ne tombera pas amoureuse de toi. Parce que c'est ce qui risque d'arriver avec ta présence ici. Et je suis certain que tu ne veux plus d'elle. Je me trompe ? Shioma et moi, on n'est que des amis. Mais où est-ce que tu vas ? J'ai le droit d'aller me laver les mains. Qu'est-ce qui te fait rire ? On dirait que t'es en train de fuir ! Mais non ! Écoute, c'est ton problème, hein ? Je te jure, je sais pas ce qui m'a pris de revenir dans ce putain de pays ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je viens de recevoir un message très troublant. Des autorités américaines. Mon titre de séjour a été retiré. Quoi ? Attends. Le titre de séjour pour lequel tu as eu tout ce mal et qui t'a empêché de rentrer depuis ? Ouais, c'est ça. Pourquoi il faut que ça m'arrive maintenant alors que je suis pas sur place ? Je suis censé faire quoi, hein ? Sans te mentir, ça tombe mal.
vraiment mal. J'en peux vraiment plus. J'en ai marre de tout. J'en ai marre de ma vie en ce moment. Écoute, ça va aller, d'accord? C'est bon, calme-toi. Je t'apporte quelque chose à manger. Je n'ai pas faim! T'as pas mieux à me proposer dans un moment pareil? J'ai pas envie de manger. Eh bien, je crois que ça va te plaire. Si tu connais la personne qui l'a apporté. Shioma était là un peu plus tôt. Et elle a apporté le repas. C'est gentil de sa part. Mais là, j'en ai vraiment pas envie. Non, non. C'est vraiment sérieux. Au point où tu refuses le repas de Shioma. C'est que ça doit être vraiment sérieux. Écoute. Calme-toi, d'accord? Tout ira bien. Je sais qu'on te l'a déjà dit encore et encore, mais ça ne va pas m'empêcher de te le répéter. Ne perds jamais espoir. N'abandonne jamais. Et tout ira bien. Tu m'entends? Merci. Merci beaucoup pour le soutien que tu m'apportes. Mais je t'en prie. Je me dois d'être toujours là pour toi, tu sais. Et merci pour le repas. C'est ma façon de te remercier pour avoir été un si bon ami, Ben. Dis-moi, en attendant, qu'est-ce que tu as envie de faire au juste? Franchement, je sais pas. J'ai passé tout mon temps à y réfléchir. Et je commence à être à sec. Alors trouve un emploi. Trouve-toi un travail. Et comment je fais ça? Tu peux. Je crois qu'avec les expériences et les compétences que tu as eues là-bas, tu trouveras un job. Tout au moins quelque chose qui te permettra de joindre les deux bouts. Je suis chanceux d'avoir une femme aussi intelligente que toi à mes côtés. Mon chéri, répète-le encore. Tu sais, je me demande si je vous avais pas toi et Ike, je sais pas comment j'aurais pu m'en sortir tout seul ces dernières semaines. Tu en es capable. Oui, je le suis. Eh bien, je dois partir. Je suis désolé. C'est bon. S'il te plaît, reste. Non, je... Je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui m'a pris. Je dois réfléchir. À plus. Quoi? C'est juste arrivé comme ça, rien de plus. Mon frère, tu sais, là, sur le coup, je ne sais pas trop quoi penser. S'il te plaît, mec, arrête de rigoler. C'est du sérieux, là. Ok. Écoute, Shioma est intelligente. Elle sait que tu ne resteras pas. Elle ne veut pas que tu lui donnes de faux espoirs, voilà tout. Elle me plaît. Ike, elle me plaît vraiment.
Alors il faut vraiment que tu la laisses tranquille. Écoute, Ben, si tu as besoin d'une fille, je peux t'en trouver une, moi. Oui, mais moi, je veux pas n'importe laquelle. Non, tu en voudras un jour. Bon, on change de sujet. Il me faut un job. Quoi ? Ah oui, il faut bien que j'en ai un en attendant que mon avocat règle le problème lié à ma carte de séjour. Écoute-moi. Ce n'est pas facile de trouver un emploi au Nigeria. T'en fais pas pour moi, Ike. J'ai un CV en béton. Très bien. Je vais t'envoyer quelques offres d'emploi. Merci. Est-ce que Chioma a amené à manger aujourd'hui ? Bien sûr, il en reste dans la cuisine, profites-en. C'est peut-être la dernière fois. Écoutez-le. Et tout ça, c'est à cause de qui ? Ouais, bien sûr, et toi, t'y es pour rien. Je t'en prie, fous-moi la paix. Ike, l'homme d'affaires, n'est plus que l'ombre de lui-même. Comment est-ce que je vais expliquer à Bénédicte qui compte sur moi pour l'aider financièrement que je suis complètement fauché? Je n'ai même pas payé mon loyer et j'ai perdu tout espoir en plus. Comment je vais faire? Allô, Chioma ? C'est moi, Ben. Je sais que t'as décidé de prendre un peu de distance par rapport à moi. Mais je traverse une période très difficile. Et j'ai besoin de toi pour m'en sortir. Je veux retrouver mon ami. Je t'en prie. Genre...
Matt. Pourquoi tu te fais du mal, Ben? J'en peux plus. J'en peux plus. De tout ce qui m'arrive en ce moment. Et tu crois que c'est en buvant comme un trou que tu trouveras une solution? Je me sens mieux comme ça. Qu'est-ce que je fais ici, sur cette terre? J'abandonne. Hé! Tais-toi! Ike, tu sais que je dis la vérité. Partout où je me suis rendu pour chercher du travail, soit on me dit que je ne suis pas qualifié, ou soit on me dit que je suis trop qualifié. Et même ceux qui sont prêts à m'embaucher, ils me proposent des salaires ridicules, qui peuvent même pas me couvrir mes frais de transport. Je suis qu'un vaurien. Écoute-moi. Tout rentrera dans l'ordre. Tout ira bien. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire ça? Pourquoi vous n'arrêtez pas de dire que tout ira bien alors que vous voyez clairement que tout va mal? Est-ce que je dois attendre la mort? Je veux que tu la fermes maintenant. Et laisse-moi te remettre sur pied. Écoute, ça sert à rien, ok? Je suis un vaurien. Et personne ne veut traîner avec un vaurien. Je suis vraiment que... Allez, debout. Oh. Allez. Oh. Écoute. Ike. Quoi? Un conseil pour toi. Faudrait pas qu'on ne voit traîner avec moi. Sinon, on te prendra pour un vaurien. À toi d'écouter mon conseil. Tais-toi. Je dis ça pour ton bien. Tu sais, chérie, à propos des deux démarcheurs, débarrassons-nous d'eux. Comme ça, on en aura fini. Une fois pour toutes. Qui ça peut bien être? Qui est-ce? Oui, qui est-ce? C'est votre frère, monsieur. Va lui ouvrir. Bien, monsieur. Voyons pourquoi il est là. Ah, allez-y, entrez. Bonjour, monsieur. Votre frère est là-bas. Bonsoir, mon frère. Et qu'y a-t-il de bon ce soir? Mon frère, je suis venu en paix. Et c'est le fouteur de troubles qui dit ça. Ada, je t'ai pas parlé. De quel droit est-ce que tu oses m'appeler par mon nom? Donne-moi une bonne raison de ne pas le faire. Hein, Ada? C'est toi la femme qui a rejoint cette famille? C'est à toi de me respecter et non le contraire. Chérie, préviens-le. Plus tard, on dira que je ne suis pas une bonne femme. Préviens-le. Ézéchiel. Oui, monsieur. Amène une chaise à mon frère. Tu es une bonne femme. Ne laisse personne t'en faire douter. Merci. Tu peux t'asseoir. Merci. Pourquoi es-tu là? Si je suis là, c'est pour parler de la parcelle se trouvant près de la résidence du chef Okomado. Elle a quoi, cette parcelle? J'ai acheté du sable.
parce que j'ai décidé de démarrer les travaux. J'ai demandé aux ouvriers de mettre du sable sur ma parcelle. Mais le chef Okomado leur a interdit de mettre du sable sur ma propre parcelle, mon héritage. Et je peux savoir pourquoi ? Et pour qui te prends-tu pour donner des ordres aux gens ? Et ordonner au premier ouvrier venu d'oser mettre du sable sur la parcelle ? Tu es devenu chef de la famille ? Dis-nous. Dis-moi. La parcelle en question est la mienne. C'est mon héritage. Tu me l'as dit toi-même. Vraiment ? Ouais. Peut-être que j'étais ivre lorsque j'ai dit ça, à supposer que tu dises vrai, bien sûr. Je ne me rappelle pas t'avoir dit ça. La parcelle en question m'appartient. C'est pourquoi je l'ai vendue. T'as fait quoi ? Je l'ai vendue. T'as vendu ma parcelle ? T'as vendu ma part de l'héritage ? Je t'ai remis 150 000 dollars que tu as détournés. Et maintenant, tu oses me dire que t'as vendu mon héritage ? Arrête de nous rabattre les oreilles avec ton histoire d'héritage. Quel héritage ? Il n'y en a plus. Ada, puisque tu es une si bonne épouse, essaie de lui expliquer, il n'a pas l'air de comprendre ce que je dis. Je t'en prie. Avec plaisir. Bénédicte, tu sais, je serai honnête avec toi. On était à court d'argent. Et puisque le chef Okomado semblait être intéressé par cette parcelle, eh bien mon mari et moi, on a décidé de lui vendre. Mais si tu tiens toujours à reprendre ce bout de terrain, tu peux le racheter au chef Okomado. Elle ne coûte que 20 millions de nera. Et c'est pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Oh, ça vaut rien du tout. Et... qu'est-ce que j'ai bien pu te faire ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait ? Mon frère, dis-moi, je t'ai fait quoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'ai-je fait pour mériter une telle méchanceté de ta part ? Il faut que tu arrêtes de me traiter de méchant, parce que je n'en suis pas un, crois-moi. Je suis un être humain très franc. Oui, c'est vrai. Je dis les choses telles qu'elles sont. S'il te plaît, je ne suis pas un méchant. Je sais que la crise économique sévit actuellement partout. C'est pourquoi tu te plains. Mais tu sais, je peux t'aider à gagner de l'argent. À la seule condition que tu te fasses humble. C'est ça. Je vais te montrer les rouages du métier. Je parle de la vente de parcelles. Tu gagneras beaucoup d'argent et crois-moi, avec beaucoup de dévouement. Avant la fin de l'année, tu vas retrouver ton argent. Ah, c'est certain. Donc si j'ai bien compris, ce que tu me proposes... c'est de me rabaisser à ton niveau. Écoute-le parler. Je te jure. Et devenir un arnaqueur ? Devenir quelqu'un de malhonnête ? On parle bien de l'argent, non ? Je te parle d'une affaire qui va rapporter de l'argent. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre ? C'est pourtant simple. Bénédicte, de toi à moi, nous connaissons la vérité, on sait ce qui se passe. Même si tu n'as rien dit du tout. On est au courant que tu peux plus repartir aux États-Unis. Et on sait aussi très bien que ton titre de séjour t'a été retiré. Il ne l'a pas vu venir. Non, mais il s'attendait à quoi ? Exactement. Ah, désolé. Désolé. C'est difficile, je sais. Ça va aller. Ah. Mon Dieu. Comment ça se fait que je sois ton frère ? Pourquoi Dieu m'a donné un démon en guise de frère. Écoute-moi. Tu sais, le plus tôt tu vas arrêter de m'insulter, mieux ce sera. Écoute, je peux faire des grandes choses pour toi, à une seule condition. Que tu arrêtes de me traiter de tous les noms. Et c'est seulement dans ce cas que je vais te servir une bonne boisson fraîche pour que tu puisses te désaltérer. Ça te tente ? Je vais t'en chercher une. Vas-y, ne lui demande pas son avis. Allez, rapporte une bouteille. Oui, d'accord, fraîche. J'ai compris. Il y a ce qu'il faut dans le frigo. Tu t'en vas déjà.
Ben ! Tu m'as pas vu ? Mais qu'est-ce que t'as ? Tu as l'air dans un sale état, ça va ? C'est bon, ça va aller, arrête maintenant. Arrête de pleurer, d'accord ? Ça va aller. T'inquiète pas. Ça va. Allez. Je n'ai pas faim. Je n'ai pas envie de te forcer. Je suis pas un enfant non plus. Alors arrête de bouder, parce que tu te comportes comme un enfant. T'as pas besoin de me crier dessus. Écoute, Ben. Je comprends parfaitement ce que tu traverses. C'est vrai. Mais tout ira bien. Si tu le dis. Je le pense vraiment. Tout ce qui t'arrive en ce moment, eh bien, je suis certaine que ça finira, crois-moi. Si seulement j'étais aussi optimiste. Tu l'es, mais c'est que tu ne le sais pas, c'est tout. Mais pourquoi mon frère me traite comme ça ? Parce que les êtres humains sont comme ça. Dis-moi, quand on y pense bien, tout cet argent qu'il t'a volé, il en a fait quoi ? J'en sais rien. Des paris ? Ouais. Tout le monde sait que c'est ça son problème. Il a sûrement gaspillé cet argent dans les paris. Ou peut-être même avec les femmes. T'as raison. Quand je pense à cette idiote qui lui sert d'épouse, elle n'est même pas capable de raisonner son homme. Et ce n'est qu'une question de temps, parce qu'il va se retrouver à nouveau sous une montagne de dettes, crois-moi. J'espère qu'à ce moment-là, je serai plus dans ce pays. Non, tu n'y seras plus. Allez, mon grand. S'il te plaît, mange un peu. Ça va refroidir. Pourquoi t'es si gentille avec moi ? Parce que tu es une très très bonne personne. Allez, vas-y, mange maintenant. Non, je veux pas. Je vais te forcer alors, j'en suis capable. Ah ouais, bah j'aimerais bien voir ça. Hein ? Ok. Ouvre la bouche. Salut tout le monde. Ike, sois le bienvenu. Shioma, comment vas-tu ? Ça va. Et Ben ? C'est bien que tu sois à nouveau sur pied. Shioma, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Ne le laisse plus jamais seul. Jamais. Au grand jamais. Ça, c'est impossible. Merci à toi. C'est une soupe de poisson que je vois là ? Non. Poisson à la sauce d'arachide. Eh bien, mes yeux ne me trompent jamais. Mon nez aussi, apparemment. Et je suppose qu'il en reste à la cuisine ? Ouais, il en reste. Shioma, tu m'as manqué. Je t'ai manqué ? Ouais. Non. Mon repas t'a manqué. Non, c'est vrai. Sois plus précis. Disons que l'un d'entre vous m'a manqué. Ouais, c'est ça. Allez, mange. Allez. Je regrette vraiment tout ce qui t'arrive en ce moment. Mais comment est-ce que tu fais pour survivre ? Harrison, tout ça c'est grâce à mon ami Ike. Sinon, je me demande vraiment comment j'aurais pu tenir durant tout ce temps. Et donc, tu cherches bien un emploi ? Ouais. Et si t'en as, ou si tu connais quelqu'un que tu pourrais contacter pour qu'il m'en donne, je sais pas, tu pourrais peut-être me recommander. Je me disais, pourquoi est-ce que tu veux travailler pour quelqu'un ? Et pourquoi tu créerais pas ta propre structure ? Tu viens de rentrer, ça va marcher, ce sera forcément une réussite.
Écoute, Harrison, je viens de t'expliquer ma situation. Je peux pas me nourrir. Je suis incapable de prendre soin de moi. Où est-ce que tu veux que je trouve le capital pour créer ma structure ? Il y a toujours une solution. On peut faire quelque chose pour quelqu'un dans ta situation, n'est-ce pas ? Ne t'en fais pas, laisse-moi passer un appel. C'est gentil, merci. Je te remercie infiniment, mon frère, merci. No place, no time, come on. Ben. Mais t'as quoi ? Depuis que tu es revenu de ta rencontre avec Harrison, tu es tout excité. Je brûlais d'envie de lui poser exactement cette même question. Et ne crois surtout pas que tu iras te coucher sans nous avoir donné la raison de toute cette joie qui t'anime. Bien sûr. Il est bien trop joyeux. Ike. Oui, mon pote. Shioma. Mm-hmm. Je suis heureux parce que Harrison, par son comportement, s'est montré différent. Ok, donc... Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors... Harrison, contrairement au fait que les gens disent que les Nigérians ne s'entraident pas, a pris son téléphone et a passé un appel. Et maintenant, j'ai un entretien et je pourrais signer un contrat. Est-ce que tu parles sérieusement ? Je te jure ! Ou bien alors, tu as envie de te payer notre tête ? Oh, ma chérie, je te dis la vérité. Oh, l'entretien est prévu pour vendredi. Wow. Mon frère, je dois reconnaître que ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt pendant la journée, alors ? On aurait pu fêter ça. C'est pas encore trop tard, on peut commencer à faire la fête, si vous voulez. Vous voulez qu'on fasse quoi ? On peut sortir ? Ma chérie, on va s'amuser, cette nuit ? Je vous invite. On va passer une soirée inoubliable. C'est toi qui invites. Ouais. Hey ! C'était comment ? C'était bien. C'était stressant, mais ça s'est bien passé. Quelles sont tes chances ? Eh bien, ils disent qu'ils ont été impressionnés par la présentation et qu'il y avait une forte chance que je signe le contrat. Oh, wow ! Bien joué. Merci beaucoup. Je suis fière de toi. Je suis aussi fière de moi. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit que tout finirait par s'arranger. Merci de m'avoir soutenue. Ah, arrête avec tes remerciements. Je suis en route pour le marché. Ensuite, j'irai chez moi pour me changer et puis je reviendrai. À plus. Ok, laisse-moi t'accompagner. Tu as l'air vraiment épuisée. Merci. Shioma, j'insiste, je veux t'accompagner au marché. Dépose au moins ton dossier. Ne t'en fuis pas, hein. Promets-moi de pas t'en aller, hein. Tu le promets. Oh, tu m'attends. Ça y est, je suis prêt. Tu es bien étrange. C'est pas la peine. Allô ? Ceci est un appel du comité d'attribution et d'évaluation des contrats du ministère de la Santé. Je m'adresse bien au porte-parole de la société Liminos Consolidated Limited ? Monsieur, je suis Benedicto Kouadissa. C'est moi qui ai fait la présentation. Pour le compte de notre société. Vous pouvez me parler, monsieur. Très bien, votre société a obtenu le contrat. Le comité est très satisfait de votre présentation. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. C'est quoi la prochaine étape ? Un email a été envoyé à l'adresse que vous nous avez fournie. D'accord. Veuillez nous envoyer un représentant de votre société dans nos locaux demain pour pouvoir signer les documents nécessaires pour qu'on puisse mettre à votre disposition les fonds. D'accord, merci beaucoup. Je vous promets que tout sera fait comme vous le souhaitez. Demain, nous serons dans les locaux. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci de votre appel. Mon Dieu. Oh, yeah, bless you to be. Free every day for my hustle to be.
for my heart to be. See anything where them talk me, I'm never gonna cry. And me, I'm never gonna die. And me, I'm never gonna lie. Watch the money go by. God bless me today, cause tomorrow good day. I say bless me today, God bless me today. Pourquoi ça m'a tout l'air d'une arnaque bien ficelée? Enfin, ils t'ont appelé hier pour que tu viennes aujourd'hui signer des documents. Et une fois sur place, tu apprends que Harrison, qui s'avère être le directeur de cette société, s'était rendu là-bas hier et a signé exactement les mêmes documents et a déjà été payé. Je ne comprends pas. En plus, il est injoignable. Je suis désolée, mais ça a vraiment l'air d'être une arnaque. Crois-moi. Alors, t'as appris quelque chose? Je suis désolé, mon pote. Je n'ai rien du tout. Est-ce que t'as au moins pu localiser l'adresse? Tu sais, celle de la société? Oui, mais on m'a dit que la société a déménagé. Donc Harrison s'est servi de moi? Malheureusement, oui. Donc ça veut dire que s'il n'honore pas le contrat, le ministère peut me poursuivre? Écoute, espérons juste qu'il le fasse. Eh bien, à mon avis, je pense que la meilleure chose à faire, ce serait de porter plainte à la police. On parle quand même d'un crime. Avec quelle preuve? Quelle preuve, Shuma? En ce qui les concerne, eux, ils travaillent dans cette entreprise. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé. Ils sont en droit de l'enfermer. C'est injuste. C'est vraiment injuste. Attends, où est-ce que tu vas? Ben, s'il te plaît, reste ici. Je voudrais rester seul. Harrison, mon pote, j'espère que maintenant que tu as gagné le gros lot, tu vas nous payer tout ce que tu nous as promis. Il y a un dicton qui dit « On reconnaît un homme par sa capacité à tenir ses promesses. » N'est-ce pas ? C'est bien ça. Tu sais, quand j'y pense, il s'agit d'une somme colossale. Ouais, c'est vrai, ça. Et j'espère que cette fois-ci, tu feras quelque chose d'exceptionnel pour tes potes. Ouais. Oui, bien sûr. Calme-toi, d'abord. Quoi? Je t'ai dit calme-toi. Je vous expliquerai plus tard, les gars. Y a quelqu'un? Harrison? Bénédicte? Qu'est-ce que tu fais là? Tu me demandes ce que je fais là après ce que tu m'as fait? Ce n'est que du business. Pour toi, m'escroquer, c'est du business? Écoute, n'en fais pas tout un drame. Il me fallait ton cerveau pour avoir le contrat que je voulais. De quoi est-ce que tu parles? T'avais désespérément besoin d'un espoir, et moi, je t'en ai donné un. Laisse-le tranquille, là. Bénédicte, arrête. Tu te crois où? Et laisse-le. Calme-toi. Laisse mon ami, tu veux quoi, là? Calme-toi. Laisse-le tranquille, t'entends mec. T'entends pas? Lâche-le. On se détend, Bénédicte. C'est pas le moment de se battre. C'est vrai que je me suis mal comporté avec toi. Mais tu sais, je peux rectifier ça maintenant. Là, tout de suite. Je veux plus rien qui vienne de toi. T'en as besoin, mec. Il disait que...
que t'allais assurer, et ça a été le cas. T'es un génie. Ils avaient bien raison. Tu l'as fait en un temps record. C'est qui, il ? T'en fais pas. Envoie-moi juste tes informations bancaires et je te ferai un geste. Va en enfer avec ton argent. T'as compris ? Va en enfer avec ton fric. T'inquiète pas. Ils vont me communiquer tes informations bancaires. T'en as besoin, mec ? Harrison, c'est qui ce mec ? C'est quelqu'un que j'essaye d'aider. Eh bien, que ça te serve de leçon ! Et ce connard n'arrêtait pas de rigoler. Je te jure, j'aurais dû lui envoyer un bon poing dans le visage. C'est bien que tu ne l'aies pas fait. Parce que tu as gardé ton honneur. Comme si ça changeait quelque chose. On devrait remercier le Seigneur qu'il ait rempli le contrat. Au moins, tu n'as aucun problème avec la police. On devrait remercier le Seigneur. Et il disait sans cesse « il ». Hmm ? Il parlait comme si j'avais été pris au piège. Que Dieu nous protège des personnes mal intentionnées. Amen. Ah. Salut à tous. Tiens, ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour toi. Tu m'as bien entendu. Ike. Où est-ce que t'as eu l'argent pour acheter tous ces trucs ? D'après tout ce que j'ai pu remarquer ces derniers temps, tes finances ne sont pas au beau fixe. Eh bien, vois-tu, un client m'a amené faire les boutiques. Et j'ai voulu prendre tout ça pour vous. Toi en particulier, juste pour te remonter le moral. Je vois. Et dis-moi, tu t'es acheté quoi pour toi ? Oh, je les ai oubliés dans la voiture de mon client. Mais je vais les récupérer demain. Je les reprendrai. Ouais. Ça a dû te coûter une fortune. Et tu sais à quel point j'avais besoin d'argent. J'aurais pu m'en servir pour monter mon propre business. Je te l'ai dit, calme-toi. Au moment opportun, ce sera réglé. D'accord ? Merci. Je t'en prie. Très bien. Ouvrez-les. Ça va te plaire. Crois-moi. À tout à l'heure. J'espère qu'à son réveil, il ne regrettera pas de nous avoir acheté tout ça. Parce qu'ils sont vraiment coûteux. Oh. Au moins, ça t'a fait rire. C'est juste que j'ai pas besoin d'une autre désillusion. Je risque de perdre la raison si quelque chose d'horrible m'arrivait encore. Plus rien d'horrible ne va se produire, Ben. Ben. Tu sais l'heure qu'il est. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé au juste ? Ike, je t'ai appelé pour qu'on discute.
Ok. Discuter de quoi? Tu sais que j'ai quand même un très bon instinct. Et il ne m'a jamais trompé. Attends. Ne me dis pas que tu m'as fait venir jusqu'ici pour me parler de ton instinct. Ike, pardonne-moi pour ce que je vais te demander. Mais mon instinct n'arrête pas de me pousser à te poser cette question. Ok. J'écoute. Y a-t-il ? Est-ce que t'es mêlé de près ou de loin ? De quoi tu parles ? L'arnaque. Est-ce que t'es de mèche avec Harrison ? Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous et que tu ne me dis pas ? Tu sais, Ben, cette nuit fait partie des pires moments de ma vie. C'est comme ça que tu me remercies ? Pour avoir été intentionné envers toi ? Mais tu sais quoi ? Je te pardonne. Je te pardonne, même si tu viens de me prouver que tu te méfies de tout le monde. Bonne nuit. Est-ce que je suis allé trop loin ? Monsieur, ça a commencé. Tout est en place. Merci. On avait un accord. Et je compte bien le respecter. J'étais juste un petit peu occupé. Eh bien, ce n'est pas l'impression que j'ai. Donc t'as plus confiance en moi ? Pourquoi je ferais une bêtise pareille ? Crois-moi, c'est bien réciproque. Si tu es capable de faire ce que tu as fait à ton ami, un ami qui t'est aussi proche, je me demande ce que tu feras si je t'en donne l'occasion. Harrison, écoute. Ben nous a permis d'arriver à nos fins. Et grâce à lui, tu as eu le contrat et tu peux désormais faire entrer toute la quantité de drogue que tu souhaites dans le pays. On va s'en mettre plein les poches. Bien sûr. C'est une bonne affaire, ça. Je t'assure. Ben ? Ben ? Qu'est-ce que tu fais ici et comment tu as su pour cette rencontre ? Est-ce que c'est vraiment important, à ton avis ? Oui, oui. Je suis là. Ben, écoute-moi. Ce n'est pas du tout ce que tu crois, d'accord ? Calme-toi. Ike, pourquoi ? Comment t'as pu me faire une chose pareille ? T'as pas besoin de mentir. J'ai tout entendu, je suis au courant de tout maintenant. Ok, très bien. Écoute, il fallait que je trouve de l'argent. J'ai juste utilisé les moyens dont je disposais. Ce n'est pas personnel, mon pote. Il fallait que tu gagnes de l'argent à mes dépens, c'est ça ? Ike, j'avais confiance en toi. Ça, c'est la vie, mon pote. Il faut juste que tu l'acceptes. Ben, calme-toi. Calme-toi. Écoute-moi, Ike, je te faisais pleinement confiance. Et c'est ça que tu me donnes en retour ? Thank you.
marcher. Vers le pont. Qui? Ils ont vu qui? Bénédicte, votre ami. Ben? Pont? Quel pont? Le pont de Owen. Et là-bas, il s'est jeté dans l'eau. Madame, je crois qu'il est mort. Arrête avec tes blagues de mauvais goût. Ça va pas chez toi. Une blague? Je peux pas blaguer avec ça. Vous pouvez venir voir de vous-même. Les recherches sont en cours pour retrouver son corps. Ben? Non, tu te trompes sûrement, je doute que ce soit Ben. C'est bien Bénédicte, votre ami. S'il te plaît, attends. J'arrive. Dépêchez-vous. Frère Francis! Frère Francis! Frère Francis! Frère Francis! C'est qui ça? Frère! Oh. Qui a-t-il? Frère! Il s'agit de ton frère! Il a quoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est mort. Tu es sûr de toi? Ils m'ont dit qu'ils l'ont vu là-bas se suicider. Où? Le pont de Owen. Hey! Attends, attends-moi là. Ah, pourquoi ça? Je voudrais avant tout vous remercier d'avoir répondu tous présents à cette importante réunion. Vous savez que ça fait plusieurs mois que nous sommes à la recherche des restes de mon frère Bénédicte. Comme vous le savez, jusque-là, ça n'a rien donné. La police a dit qu'elle a cherché partout, mais sans aucun résultat. D'après eux, son corps aurait été dévoré par les crocodiles. Eh bien, j'en ai bien peur. Cette rivière que mon frère a choisie pour se donner la mort est connue pour être infestée de crocodiles affamés. Je suis étonné que mon frère ait choisi cet endroit. Sur la base de ce qu'on sait de cette rivière, ce qu'a dit la police est bien possible. C'est très triste. C'est quoi ton nom? Pour qui est-ce que tu te prends? Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici, Ike? Hey, Shioma, s'il te plaît, tu dois te calmer. Il a donné ses raisons. Ses raisons? Oui. Et c'est après la mort de Bénédicte qu'il se représente pour donner ses raisons? Attendez, je regrette profondément sa mort. Mais je pensais qu'il avait bien compris notre accord. Il n'en savait rien, Bénédicte n'en savait rien, tu n'es qu'un sale menteur! Shioma, ça suffit, c'est bon. S'il te plaît, ça va. Je reconnais que tu te souciais beaucoup de mon frère. Et je sais combien tu étais proche de lui. Mais il est grand temps de regarder la vérité en face. Il n'est plus. Et on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer à se chamailler. J'ai convoqué cette réunion parce que je veux qu'on aille de l'avant. Nous devons voir comment organiser ces funérailles. J'ai pris des renseignements et voilà ce qui en sort. Ce que nous devons faire, c'est de nous rendre aux abords de cette rivière. Faire quelques rituels, entreprendre quelques cérémonies traditionnelles afin de recueillir son esprit dans un cercueil. Ensuite, on l'enterrera dans la cour. Oh, Bénédicte, qu'est-ce que tu nous as fait? Ça va aller. Ça va, calme-toi maintenant. Ça va aller. C'est bon. S'il te plaît. D'accord. Ça suffit. Ok. S'il te plaît. Allons, on est tous en deuil, mais on a une responsabilité. Comme je l'avais dit, l'objet de cette réunion est de planifier l'organisation de ces funérailles. Je tiens à rappeler que Bénédicte est le seul membre de la famille qui ait jamais voyagé et vécu à l'étranger. En conséquence, il mérite des funérailles dignes de ce nom. Nous devons tous, en tant que proches parents et amis, participer financièrement pour que cela soit une réussite. Dans ce cas, je vais prendre à ma charge le coût total des funérailles. Mais c'est combien? Envoyez-moi la facture. Waouh! Merci beaucoup, jeune homme. Vous la recevrez sans faute. Et j'espère que vous tiendrez votre parole. Je vais
contribuer du mieux que je peux. Qu'y a-t-il de drôle? Tu veux donner ta part aussi? C'est incroyable. Ne trouvez-vous pas que nous vivons dans un monde assez drôle? Dites-moi, quand Bénédicte était vivant, il avait besoin d'aide. Et qui parmi vous ici a daigné lui apporter son aide? C'est bon, mais maintenant. Tu vas la fermer, nous sommes tous en deuil ici. Attends, tu en es sûr? Tu es sûr d'être en deuil? Ou bien tu as trouvé une autre occasion de t'enrichir grâce à l'enterrement de Bénédicte? S'il te plaît, réponds-moi, frère Francis. Pourquoi est-ce que tu veux organiser des funérailles en grande pompe? Je te l'ai déjà dit. C'est le seul de ma famille qui ait vécu à l'étranger. Il mérite des funérailles décentes. Tu es censé être le grand frère de Bénédicte. Je ne suis pas censé être son grand frère parce que je suis son grand frère. Oh, merci beaucoup. Je te remercie pour cette précision. Je te suis reconnaissante pour ce geste que tu as eu en me corrigeant. J'aime ça. Parce que ça m'amène à te poser ces questions. En tant que grand frère de Bénédicte, n'es-tu pas censé veiller sur ton petit frère? N'es-tu pas censé le protéger de tout mal ou de tout danger? Mais tu vas la fermer, oui! Non, je ne me tairai pas et je pense que c'est plutôt à toi de la fermer parce que je n'en ai pas encore fini, c'est d'accord? Tioma, écoute-moi bien, si tu me provoques, tu vas le regretter. Qu'avez-vous fait, ta femme et toi? Vous lui avez tout arraché. Tout ce que ce pauvre garçon a gagné dans ce climat si froid, vous savez. Pendant des années, il a souffert. Pour qu'à son retour, ta femme et toi le dépossédiez de tout. Vous avez fait de lui un homme misérable. Ferme ta bouche ou c'est moi qui vais le faire pour toi! Non, je t'ai déjà dit que c'était plutôt à toi de la fermer. Ada, si tu ne te reproches vraiment rien, eh bien alors, pourquoi est-ce que tu veux que je me taise? Hein, dis-moi. Quant à toi, comme je l'avais dit, tu es le diable en personne. Tu viens tout droit de l'enfer, oui, c'est ça. Tu as assommé mon ami du dernier coup fatal. Tu as tué Bénédicte. Tu l'as tué. Je n'ai pas fait ça. Tu peux continuer de dire ça, si tu te sens bien dans ta peau. Raconte-moi ce que tu veux, si ça peut apaiser ta conscience. Tu l'as privé de ses compétences et de ses capacités intellectuelles. Tu lui as donné espoir, il avait foi en toi et tu le savais très bien, ça. Et à la dernière minute, tu l'as privé de cet espoir. Je viens de t'expliquer tout ce que j'ai... Mais est-ce que tu vas te taire? Tu n'as rien expliqué du tout, tu n'as rien expliqué du tout. C'est des conneries tout ça. Des conneries, tu m'entends? Tu as tué mon ami, c'est tout ce que tu as fait. Et toi, Ike? Chioma, s'il te plaît, arrête-toi là. Tout ce que j'ai fait, c'est d'aider ce jeune homme en tant qu'ami. Ah ouais, t'es sûr? En tout cas, pas moi. Chioma. Si tu avais vraiment aidé Bénédicte, il ne serait pas là où il en est aujourd'hui. Et nous le savons tous les deux. Et de quoi m'accuses-tu concrètement? De rien pour le moment. Je ne t'accuse de rien, en tout cas, pas pour le moment. De rien. Écoute, je comprends. D'accord? Je te connais très bien. Je sais que tu es éploré. Je sais à quel point tu étais proche de mon ami Bénédicte. Tu devrais rentrer chez toi. Détends-toi. Et repose-toi bien. Que j'aille chez moi. Tu le mérites. Que je reste seule pour pouvoir pleurer, mon cher ami Bénédicte. Que vous m'avez lâchement arraché tous autant que vous êtes, vous, ici. Mais c'est certainement mieux que de rester là, assis parmi des hypocrites au cœur de vipère. C'est ce que vous êtes. Mais Dieu existe. Et je peux vous promettre que très très bientôt, vous allez tous payer cette atrocité que vous avez commise contre mon ami Bénédicte. J'espère au moins que tu seras présente à l'enterrement de mon frère. Je lui dois au moins ça. Je lui dirai mon dernier adieu. Tu n'es pas la seule à être en deuil. Nous le sommes tous ici. Thank you.
Que se passe-t-il ici? Regardez, un fantôme! Oh mon Dieu, c'est pas possible! Il est mort! Oh Seigneur, protégez-nous! Il y a des morts! Regardez! Qui revient du monde des morts! Oh mon Dieu, c'est un fantôme! C'est pas lui! Qu'il parte! Va-t'en! Qu'est-ce qui se passe? Ne bouge pas! Est-ce que c'est lui? Dieu, c'est pas possible! Seigneur! Du sable! Du sable! Trouvez du sable! Dites-moi ce qui se passe! Il faut le toucher, que quelqu'un le touche! Jetez-lui du sable! Il est mort, normalement! Faites-le partir! C'est un fantôme! J'ai vu ça! Ou alors c'est un fantôme! Mon Dieu, c'est pas possible! Je n'arrive pas à y croire! Touchez-le! Touchez-le! Regardez-le, il est vivant! Qu'est-ce que tu fais ici? Regarde-lui! C'est incroyable! Ben? Ben oui, c'est moi, Ben! Hé! En chair et en os! Ils ont dit que tu avais sauté du pont et que tu t'étais noyé. Chioma! Ils ont dit que les crocodiles t'avaient dévoré. Chioma! Touche-moi. C'est à tes risques, Chioma! C'est moi, je suis vivant. Touche-moi. Hein? Approche. Approche. Touche-moi. Fais gaffe à toi! Vas-y, touche-moi. Viens. Mon Dieu, il est vivant! C'est vraiment lui, il est vivant! C'est pas vrai! C'est pas vrai, Seigneur, merci! Il est vivant! Ça va. Allez, lève-toi. C'est un miracle! Il est vivant! Ah, c'est un miracle! Il n'est pas mort. C'est vrai. Bénédicte? Est-ce que c'est bien toi? Merci, Jésus. Comme je l'avais dit. Merci. C'est moi en chair et en os. Ah, ouais, c'est vrai. Merci, Jésus. Merci. Le jour où j'ai sauté, quand j'ai sauté, j'étais prêt à partir. J'étais décidé à partir. Mon mari est d'accord pour que vous restiez avec nous. La majorité des gens qui ont essayé de mettre fin à leur jour comme vous ont vraiment réussi leur tentative. Je peux vous l'assurer, c'est une œuvre de Dieu. Une occasion pour vous de recommencer à nouveau. Et j'espère que vous saurez saisir cette chance. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier, votre mari et vous. En accueillant un étranger dans votre maison, vous m'avez prouvé qu'il existe encore des gens bien dans ce monde. Grâce à l'attention que vous m'avez portée, je vais rester en vie. C'est bon à savoir. J'espère que vous tiendrez parole. Bien. Mon mari a de bonnes relations au ministère de la Sécurité intérieure. Donc, si vous voulez qu'on procède à l'arrestation de ceux qui vous ont escroqué, je peux lui en parler. Je me suis pas encore remis de cette histoire. Pour l'instant, c'est le dernier de mes soucis. Je remercie le Seigneur. Je suis heureuse que tu sois en vie, Ben. J'en suis heureux également. J'étais au bout du rouleau. Je luttais contre ma dépression. Dieu merci. Tout ce que je voulais, c'était quitter ce monde. Ben, écoute... J'ai cru que si je partais, ce monde s'en porterait mieux.
Mon frère a vraiment souffert. Beaucoup souffert. Mais j'étais là. Je m'inquiétais. Oui, je le sais. Mais je pouvais pas le supporter plus longtemps. C'était vraiment trop. Surtout après ce que mon ami Ike m'a fait. Ben. Je suis désolé. Écoute, je ne voulais pas que les choses se passent ainsi entre nous. Tu dois me croire. La vie est vraiment drôle. Regarde mon frère. Et sa femme. Ma femme, chérie. Et vous deux. Vous osez venir pour mon enterrement. Quand j'avais besoin de votre aide, vous m'avez lâchement abandonné. Heureusement que tu vas bien. Dieu merci, tu es en vie. N'en te fatigue pas. Arrête. Laisse Dieu tranquille. Je remercie Dieu. Non, non, remercie pas parce que toi, je suis sûr que tu veux ma mort. Je suis très heureux qu'il soit en vie. Moi aussi. Nous sommes heureux. On l'est. Nous sommes heureux. Dis-moi, Ben, où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Où étais-tu ces derniers mois? J'étais avec les Johnson. Et par coïncidence, Madame Johnson est une psychologue. Elle m'a aidé à me remettre sur pied. Que Dieu la bénisse. J'espère pouvoir la rencontrer, pour au moins lui dire merci. Shioma, je suis sûr qu'un jour tu pourras la rencontrer. Elle voulait venir. Mais je m'y suis opposé parce que je voulais régler ça tout seul. Qui sont ces hommes? Officier. Officier? Ah, c'est la police. Ces hommes que vous voyez sont ceux dont je vous ai parlé. Harrison et Ike. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en état d'arrestation pour importation illégale de produits stupéfiants. Ils font du trafic. Vous avez le droit de garder le silence car tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant la loi. Vous faites une grave erreur. Bénédicte. Je vais vous poursuivre. Respectez-vous, jeune homme. Ne me poussez pas à faire usage de la force. Donnez-moi vos mains. Bénédicte. Allez. S'il te plaît. On ne vend que des parcelles. On n'est pas concernés. Que les trafiquants. Ouais. Votre erreur, c'est d'avoir utilisé mon idée d'affaires pour vos activités illégales. Mettez-vous debout. Au moment où l'on parle, on fouille vos conteneurs. Ben, s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. Et toi, tu sais que j'ai toujours été de ton côté. Vraiment? S'il te plaît, pardonne-moi. Ike? Toi. Toi? Toi avec qui on a partagé nos repas? Tu as été capable de faire ça à ton ami? Officier, s'il vous plaît, emmenez tous ces criminels hors de ma vue. Avancez. S'il vous plaît, emmenez-les. Allez, je t'en supplie. Tu me dégoûtes. Va-t'en. Avance. C'est bien, maintenant tu me demandes pardon. C'est trop tard, tu sais. Oh, mon beau frère, t'es un joli garçon. S'il te plaît, ne nous enferme pas, nous sommes désolés, oui. Pardonne-nous. Attends, attends. Toi, malgré toute ta fierté et ton ego, tu es capable de t'agenouiller et de supplier? Je t'en supplie, du plus profond de mon cœur. Accepte nos excuses. Shioma, ça c'est un problème de famille. Et je ne crois pas que tu fasses partie de cette famille. Comment ça? D'ailleurs, de quel droit tu oses dire ça? De cette famille? Elle représente la famille pour moi. Elle était là quand j'avais faim. Shioma s'est occupée de moi et m'a nourri. Quand j'avais besoin de vêtements, elle était encore là pour me vêtir. Et là, tu te permets, tu as le culot de dire qu'elle n'est pas de la famille? Elle représente pour moi la famille, parce qu'elle était là pour moi. Petit frère, s'il te plaît, pardonne-moi. Oui, pardonne-nous. On t'en supplie. Oh, Francis. Petit frère. Mon cher frère. Mon petit frère adoré. Tu as vu mon frère? Si, toujours si, élégant, oui. Bien il bâti. Il est mignon. Regarde-toi. Hein? Mon frère adoré. Regarde-toi. Maintenant, tu sais supplier. Parce que tu crois que je vais te faire arrêter. Tu sais, c'était une erreur. Une erreur? Regarde-toi. Comment oses-tu dire ça? Mon frère de sang. C'était une erreur. Erreur? Honte à toi. Moi, j'aurais honte.
mais je te promets de t'apprendre mon business. La vente des parcelles. Ada, Ada. Ah, mon cher beau-frère. Ada, Ada. Ah oui, t'es mignon. Toujours hein? Heureuse du malheur des autres, hein? Mais tu n'as pas encore appris la bonne nouvelle. Oui, tu ne connais pas la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai enfin mon titre de séjour. Ah, allez, dégage de là. J'ai dit... Ne me touche pas, dégage. Mais... Arrête, s'il te plaît, ne me touche pas. Ah, j'ai prié pour toi. Oui, c'est la vérité, petit frère. Elle a prié. Tu sais, ma femme prie beaucoup. Merci, chérie. Regarde-toi. Ma femme prie beaucoup. C'est la vérité. Et un peu honte de toi-même. Allez, on s'en va. Ben, tu t'en vas? Non, je t'attends. Bénédicte, ta chambre est encore libre. Il y a à manger pour toi. On n'en veut pas. Il est vivant. C'est incroyable. En plus, j'ai tout préparé. Il y a à manger à l'intérieur. Et donc, tu retournes quand aux États-Unis? Maintenant que ton titre de séjour a été réhabilité, je suppose que plus rien ne te retient ici. Tu sais, c'est chez soi qu'on trouve l'amour, la paix et tout le reste. Et figure-toi que j'ai trouvé l'amour et la paix. Et c'est pourquoi j'ai décidé de rester ici. Quoi? Pourquoi? Enfin, beaucoup de personnes rêvent d'une opportunité comme celle-là pour pouvoir quitter ce pays. Alors que toi, tu penses rester ici. Eh bien, c'est parce que ces gens n'ont pas trouvé une activité lucrative et surtout passionnante. Tu vois? Ils croient s'être servis de moi. Mais ils ignorent qu'ils m'ont donné l'opportunité d'entrer en contact avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé? Eh oui. Je comprends pas. En fait, j'ai été gardé au ministère de la Santé. J'ai maintenant ma licence. Tu t'adresses à un entrepreneur certifié. Je ne vais qu'aux États-Unis pour officiellement me désengager de toutes mes activités. Mmh. C'est cool d'être dans son pays. On n'est bien que chez soi. Mon cher entrepreneur certifié, je suis vraiment contente pour toi, c'est génial. Tu devrais être contente pour nous. Nous? Là, je te suis pas. Je suis contente pour toi. Je me suis posé cette question. Où est-ce que je vais trouver l'amour inconditionnel? Qui va m'aimer tel que je suis? Où est ma famille? J'ai cherché et j'ai trouvé cette personne. C'est toi et je veux te poser cette question. Quelque chose t'empêcherait d'être ma femme? Non, non. Arrête, Ben. S'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça. Arrête-toi là, s'il te plaît. Sioma, je suis sérieux. Je t'aime énormément. Et je sais que tu m'aimes aussi. S'il te plaît, sois ma femme. Non. Non, Ben. Écoute, tu ne peux pas comprendre. Tu ne me connais pas vraiment. Je veux qu'on reste de simples amis. Je ne veux pas que tu regrettes plus tard d'avoir épousé une femme aussi superficielle que moi. Superficielle? Oui, superficielle. T'exagères, Sioma. Tu n'es pas superficielle. Tu es une battante. Une reine d'Afrique. C'est pourquoi tu as gardé cet enfant. Tu sais pour mon enfant? Je suis au courant. Je t'aime encore plus pour ça. Tu sais, lorsque la plupart des jeunes filles se retrouvent dans une situation comme la tienne, elles ont recours à l'avortement. Mais toi, tu as gardé cet enfant. Tu t'en es occupé. Je l'ai rencontré.
une belle et intelligente petite fille qui vit chez ta mère. Chioma, s'il te plaît, je t'en supplie de tout mon cœur. Épouse-moi. Ensemble, on pourra fonder une très belle famille. Ben, tu es tellement différent. Oui, ça tu l'es. Et Dieu t'a créé pour moi. C'est vrai que je t'aime. Tu es mon meilleur ami. Oui. Je veux bien t'épouser. Why is it so? So tell me why I am so alone. Oh, oh, oh. Who will I run to? Where do I go? Cause I cannot tell a friend from a foe. My life is breaking down. Can